La rouffe. Quoi, ma rouffe? Tu sais pas ce que c'est que la rouffe? Une touffe? Bah oui, c'est les cheveux. Avec ton espèce de chien. Arrête, c'est chaud. T'as un nouveau tuto coiffure? Ouais, bah alors là, comment avoir des cheveux de merde? Bah, soyez arabe, voilà. Voilà tout simplement. Bonjour et bienvenue dans le vlog Erkan. Je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je suis à Cannes en vacances avec Marine de la chaîne Close to Dreams qui défait son créneau. On ne va pas la déranger. Mais c'est pas tranquille. Je vais me tenir et voilà. Ah là, c'est vraiment. Ouais, on a réussi à sortir. Attention, écrase pas le pigeon. Oh ouais, il a trop. Et du coup, ouais, on est en vacances à Cannes. On est arrivé hier, donc si vous voulez voir la première journée, et ben cliquez juste là ou dans la barre d'infos. En fait, on va faire un jour sur deux. Donc, un jour il y aura le vlog sur sa chaîne, un jour sur le mien. Donc, aujourd'hui c'est mon jour. Sur le mien de chaîne. Sur ma chaîne. Sur le mien. Ah, ça va. Attends, ah bref, du coup, ouais, on est arrivé hier et qu'est-ce que je voulais dire? Il est déjà midi et demi, comme vous l'avez vu, parce que ce matin, eh ben, on n'a pas fait grand-chose à part se renseigner sur les trucs qu'on pourrait faire à Cannes. Donc, on a 2-3 idées, mais cet après-midi, enfin, il fait pas trop beau aujourd'hui, c'est un peu couvert et tout. Il fait chaud, mais il n'y a pas genre masse de soleil. Et Auriane m'a fait petit déj ce matin pour aller bronzer. Ouais. Ah oui, elle a pas filmé. Et pourtant, elle m'avait préparé une petite. Je lui avais préparé une jolie petite table de petit déj. Du coup, là, on va aller faire les courses pour aller remplir le frigo un peu. Et ensuite, cet après-midi, on a rendez-vous chez le coiffeur parce que Marine, tout à l'heure, elle me regardait. Elle me dit j'ai une crise capillaire, je veux changer, je veux faire quelque chose. Et comme j'étais en train de lisser mes cheveux et que j'étais en train d'en avoir ras le cul de ma couleur, parce qu'en fait, je trouve ça beau, mais là, je peux plus. Ça m'a saoulé. Tout est logique. Non mais c'est vrai, mais c'est beau, mais trop longtemps, non. C'est vite lassant, je trouve, le blond. Du coup, je vais demander qu'ils essayent de me récupérer ma couleur naturelle, parce que rien n'est mieux que le naturel, en fait. Donc voilà, je vais récupérer ma couleur. Parce qu'il y en a marre. Ou bien je fais les cheveux rouges. Rouge. Ouais. J'aimerais bien. Ça peut être joli, hein. Des reflets rouges, ça peut être vraiment joli, ouais, en plus. Je sais pas. Ah, désolée, j'ai un chewing-gum, ça fait grosse vache. Pardon. Par contre, les feux, on a la poisse avec les feux ou ça fait 3 quarts d'heure qu'on est au feu et c'est moi qui rêve là parce que. Non, non. Depuis qu'on est parti de Grenoble, en fait, on a des feux qui durent 3 quarts d'heure. Depuis 5 minutes, c'est feu rouge. C'est abusé les feux ici. Hein. Enfin bon. Sinon, Cannes est une jolie ville. Mais ouais, ça fait plus ville. Ah oui, alors. Ville citadine. Explique, parce que hier, on s'est tapé 5 heures de route. Bah quoi? Et une fois à une demi-heure. Le Cannes, Auréa me dit, j'ai l'impression qu'on n'a pas bougé de Grenoble, c'est le même paysage. Merci, au revoir. Non mais même la ville à l'intérieur, ça fait vraiment ville-ville, alors qu'il y a la mer pas loin. Et d'habitude, les villes pas loin de la mer, chut, encore feu rouge, c'est une blague. D'habitude, près de la mer, ça fait quand même plus des espèces de bungalows, des petites villas de plage, machin et tout. Et là, il y a des immeubles et tout, enfin voilà. Du coup, ça me choquait un peu, mais bref. Mais sinon, c'est une jolie ville et on est très contente d'être là. On a fini les courses. Et on a légèrement abusé parce qu'en même temps on est venu et on avait faim. Et il faut jamais faire ses courses quand on a faim. Et du coup on a fait des courses pour une semaine. On a fait des courses pour 6 jours. Pour 6 jours, ouais. On fera plus les courses et je suis sûre que demain on va refaire des courses. Ouais. C'est ça le pire, c'est ça. Bref, du coup voilà. Bon allez, je vais l'aider donc je quitte cette caméra. Bisous. T'as monté ? Un sac, 2 sacs, 3 sacs. Voilà. On est dans le Leclerc Poudlard parce que bah en fait il n'y a rien sur le parking, il n'y a que les caddies. En fait il faut prendre un ascenseur pour aller en Leclerc souterrain, enfin bref. La meuf qui découvre le supermarché. Enfin j'avais jamais vu le supermarché comme ça. On a mis 3 quarts d'heure pour le trouver, on s'est dit allez, c'est encore un truc qui n'existe pas. Ah ouais, parce qu'on vous a pas raconté, on a mis grave longtemps à trouver. En fait on n'a même pas été dans le Leclerc qu'on voulait aller à la base. Et du coup
bah, il est déjà 14h. Et on a rendez-vous chez le coiffeur à 15h. On n'a pas mangé. Et vous savez pas ce qui s'est passé? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré les sacs et tout, donc on voyait bien que le coffre, il n'y avait aucune clé dedans. Moi, je ferme le coffre pendant qu'elle, elle va mettre le caddie. Arrive. Oh non, mais les clés, elles sont dans la voiture, les clés, elles sont dans le coffre. Oh non, rigole pas. Moi, j'étais morte de rire. Elle me dit, rigole pas, j'ai pas de solution. C'est vrai, en plus, j'ai dit, j'ai pas d'autre solution. Rigole pas parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, genre. Donc, faut pas rire parce qu'il n'y avait pas d'issue. Elle rigole, elle, je lui dis non, mais. Mais parce que j'étais sûre que la clé, je l'avais pas vue. Et je regarde comme ça, je dis, il n'y a pas de clé. Elle cherche dans son sac. Ah non, j'avais la clé. Alors voilà, elle m'a fait avoir un ulcère pour rien. Comme d'hab. Dommage que j'ai pas filmé ça. Non, mais parce que si la clé était vraiment dedans. Moi, je t'aurais dit coupe. C'est pas drôle, j'ai pas de solution. Il est 15h30 et on est rentré à moins le quart, enfin Marine, le temps qu'elle garde la voiture parce qu'ici c'est infernal. Donc moi je suis descendue avant avec les sacs de course et blablabla. Bla bla. Du coup on a mangé, Marine elle a mangé une salade quoi? Sodebo. Salade Sodebo à quoi? Poulet, œuf, pâte. Poulet, œuf, pâte, voilà. Moi j'ai mangé un petit steak avec des petits concombres et une petite banane. J'ai le plein de protéines, de petites protéines. Parce qu'on va faire du sport. Parce qu'on va faire du sport, on va aller bronzer. Là, on va aller sur la plage du coup parce que bah, notre rendez-vous il était à 15h ouais. Et 15h30. Et clairement, c'était pas possible. Du coup, on l'a annulé et on l'a pris pour demain matin. Donc voilà, vous verrez nos cheveux dans le vlog de Marine. Et du coup, voilà, on va aller sur la plage. Je pense qu'on va aller plage du Midi parce que c'est la plus près de notre appart. On est dans un Airbnb. Bah, sur le Airbnb, si vous voulez, je vous mettrai un code de parrain. Comme ça, vous pourrez avoir, je sais pas combien, une vingtaine d'euros, je crois, code parrain, voilà. Ce n'est pas un partenariat, c'est tout le monde peut le partager, son code parrain, voilà, je le dis, je le redis. Ni nos vacances Google. Ne sont pas payées par YouTube, ni par Google, ni par Airbnb, ni par Uber, ni par plage électronique, ni par... On a tout payé. Regardez ce que j'ai fait. Voilà, avec vos conneries de partenariat de merde, là, j'ai tout renversé. J'ai tout renversé, non. Tout ça pour dire que c'était pas sponsorisé. Bah oui, mais regarde, c'est trempé, là. Comment on va faire? Et tu sais, ça se trouve, c'est tombé au premier étage. On va prendre la serpillère. Imagine, c'est tombé au premier. Bah, tant pis, c'est des aérodromes. Arrête. Bref, ce n'est pas sponsorisé non plus par Arizona. Ce n'est pas sponsorisé par la caméra Sony ou par le téléphone Apple ou par la bouteille d'eau. Ça n'est pas sponsorisé. Non, non, non. Nous payons par le sel. Voilà. Nous sommes à la plage. Et elle est trop bonne l'eau. Donc oui, là on est en maillot de bain. Bah écoutez, on va pas s'habiller exprès pour tourner un plan de vlog en fait. Ouais, la flemme. Faut pas déconner. On aurait pu. Ouais, mais non. Et du coup, l'eau, là on est sur la plage du Midi. Ouais. C'est vrai, c'est une plage publique qui est plutôt familiale et tout. Du coup, il y a pas trop de jeunes. En fait, il y a que des vieux. C'est pas grave. Il y a même que des vieux. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. L'eau elle est trop bonne. Il y a des grosses vagues. Je te jure, il y a un tsunami qui se prépare. Je pense qu'il y a un tsunami qui se prépare et c'est le contre, contre nous. Ouais, peut-être. Bref, l'eau elle est trop bonne, l'air il est chaud, le vent il est chaud, donc dans l'eau ça fait grave du bien. La plage elle est jolie en plus, ouais, elle est propre. C'est propre et tout, donc franchement c'est top top top. Voilà. Du coup, voilà. Marine elle cherche le crabe. Voilà, donc elle imite le crabe. Mais ça se voit que c'est écrit, t'es con. Oh non, mais... T'as tout ruiné. Excuse-toi auprès de Orianeuse et de Orianeur. Ça c'est les joies de filmer. À chaque fois qu'on veut filmer un truc, genre tout à l'heure je me suis pris une vague dans la gueule et elle l'a pas eu. Et bah voilà. À chaque fois. En fait, je suis désolée. Pardon. C'est gros zoomé là. Pardon. Oh my god. Eh, si je le noie, le pomme. Un truc très drôle.
Voilà, c'est en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Je sais pas si c'est très drôle. Voilà, mais... Marine regardait le parc qui est ici. Et on avait les toilettes à côté. Alors, déjà, si t'as moins de 10 ans, tu peux pas pisser. Tu te démerdes. Et si t'as un gros caca à faire, ben, tu ne le fais pas. Ou alors la porte s'ouvre pendant que tu fais ton caca. Donc tu te démerdes quoi en fait. La meuf elle est morte. Non seulement tu payes 300 euros pour aller chier. Et en plus tu tapes la fiche. Et en plus tu peux pas. Non mais meuf, viens on essaye d'aller dedans, on reste 20 minutes et on voit si c'est sûr ou pas. Mais c'est payant meuf, c'est je sais pas combien. Ah hein, oh, ouais bon alors de la merde. Je vais pas payer pour faire une expérience, du bras. Alors là on rentre dans... Bah l'appart en fait, et on rentre en Uber parce que j'avoue que là franchement j'avais trop la flemme. Et du coup voilà, donc j'en profite pour vous dire que j'ai un code promo. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application Uber et à utiliser le code Auria, H-O-R-I-A. Et comme ça vous aurez moins 20 euros sur votre première course. Voilà, donc Marine que et penses-tu? C'est cool. Tu découvres le Uber, ouais, que penses-tu cool. Je vais la rendre accro au Uber. J'ai mangé avec Marine et pendant que... Je faisais un... On teste les casseroles et les poêles. Voilà, parce qu'en fait ici il y a que deux poêles, les voilà. Poêle ou poêle vous dites-vous? Moi je dis poêle. Moi aussi je dis poêle, mais les gens disent poêle, alors je ne sais pas. Non, poêle c'est moche. Ouais, donc voilà, les deux poêles. Oui, on dit des poêles. Elles sont rikiki, donc on peut rien faire. Du coup je voulais faire des patates là-dedans, parce qu'on n'a pas de four hein, aussi. Le four ne fonctionne pas, enfin bref. Et du coup, la casserole a un petit chapeau de mousse. En tout cas une petite casserole russe. Non, Une toque. Ou une casserole cuisinière. Et voilà. Donc voilà. Comment on va l'appeler cette petite casserole? Avec nos patounes. Quoi? Avec nos patounes. Avec nous patounes. Les patounes. Avec nos patounes. Oui. Et c'est son prénom. Les patounes, c'est les mains. Ah, mais les moi j'ai dit comment on va l'appeler. Toi tu me dis avec les mains. Ah, les appeler, j'ai voulu la laver. Ah, ça c'est l'histoire de nos vacances. Ouais. Auréa, quand je lui parle pas, elle m'entend. Et quand je lui parle, elle m'entend pas. Bon, et bah écoute, cette casserole s'appellera avec nos patounes. Ah oui. Voilà. Voilà. C'est très bien. Bref, Marine fait les crudités et tous les burgers, voilà. Regardez comme c'est beau. Eh oui. Regarde d'abord, je t'explique. D'abord, je t'explique parce que je voulais y mettre deux, sauf que je me suis rendu compte que c'était trop petit. Alors, Auréa se fait un steak. Enfin, se fait plutôt non. Du beurre au steak. Du beurre au steak. Voilà. Dans cette petite vague, bon appétit. Nous sommes très healthy comme vous pouvez voir. Oh, nous mangeons très équilibré. Sachant qu'en partant des vacances, on s'est dit ouais, on se fera que des salades et tout, ça sera cool. On a acheté des crudités en vrai. On en a acheté. Pour mettre dans les burgers. Mais c'est pour mettre dans les burgers. Et voilà notre repas qui est très bon. Marine, c'est au poulet. Et comme disait Marine, il y a plus de sauce que de bouffe sur cette table. Voilà. C'est pas grave. C'est normal. Et moi, c'est au steak normal. Et je l'ai aplati. Dites-moi si vous aussi, vous adorez manger vos burgers aplatis. Moi, j'adore. Ah non, moi, j'aime pas. Je te jure, je trouve que les aliments font... bien broyés. Oui, font plus la danse de la nourriture. Eh, non, mais tu sais quoi? Je suis vraiment désolée. Non, mais j'arrête pas de regarder le retour. Moi, je capte pas. Et moi aussi. C'est chiant, hein. J'ai fait pareil, alors c'est problème, super c'est que moche si quand tu le regardes si... après. Ouais. Et si tu baisses, en plus, après, tu sais pas où ça finit. Non, 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 faut quand même le mettre, je vais le regarder là. C'est chiant. Ouais. Tu me caches la lumière, là. Merci. Bref, du coup je parle au ralenti, j'en peux plus, je sais pas ce que j'ai un coup de barre hein. Ouais. 21h30 t'as dit? J'ai trop mangé, ouais 21h30. Du coup on va pas sortir. On se dit qu'on va rester à la maison pour ce soir. Parce que du coup demain on a le coiffeur à 10h30. Et après je pense qu'on va se faire une journée à la plage. T'as expliqué pourquoi on avait le coiffeur à 10h30? Prévois, ouais tout à l'heure. Tu l'as dit? Ouais. Enfin voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire bonne nuit. Sauf s'il se passe quelque chose entre temps, on ne sait pas hein. Et j'arrête de regarder le retour, promis. C'est bon. Bisous.